Bienvenue sur ma chaîne Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Verseau, ascendant Verseau ou la Lune en Verseau. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé un bel été. Je vous envoie plein d'amour comme d'habitude. Bon, on se retrouve pour votre lecture générale de ce mois de septembre 2020, la rentrée. Et oui, hélas, toute bonne chose a une fin. On va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer durant ce mois de septembre d'un point de vue sentimental, très brièvement. Mais bon, j'ai fait une vidéo complète dessus sur votre lecture sentimentale. Vous pouvez aller la voir. La vie professionnelle, professionnelle financière, votre vie spirituelle et puis votre santé. Allez, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir des complémentarités sur tout ce tirage-là ou pour avoir des messages si vous n'en avez pas eu sur ce tirage-là et ce n'est pas grave. Voilà pour vous. Très bien. Autre chose, nous allons faire comme pour le mois de juillet et d'août sous la forme de la pyramide que j'aime beaucoup. On est parti. Alors, on va commencer pour votre santé. Le conseil que vous donne l'archange Raphaël, c'est-à-dire l'archange guérisseur, c'est la détoxification. Alors, comme son nom l'indique, on vous conseille de vous détoxifier. C'est-à-dire vraiment de purifier son corps, de purifier son esprit, sa vie d'un point de vue général, s'il y a des personnes qui vous sont toxiques, des choses comme ça, allez hop, un grand coup de balai au cul, et puis vous le mettez à votre porte, mais c'est plutôt pour vous rendre heureux, pour que vous soyez en bonne santé, etc. Donc, veillez dans votre alimentation, peut-être à éviter tout produit chimique, à éviter les choses transformées en industrie. Veillez à manger sainement les fruits, les légumes. Bon, je ne vais pas vous apprendre à manger, on n'est pas là, je ne suis pas là pour vous faire un cours de nutrition. Mais bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, détoxification, ça me fait penser aussi peut-être à la méditation pour se purifier. Ça peut être aussi sortir dehors, faire du sport, faire de l'exercice. Vraiment changer d'esprit, vraiment se sentir bien dans son corps, dans son esprit et dans sa vie en général. Et veiller à bien manger. Bon, voilà. J'ai l'impression d'être un peu nutritionniste. Bon, voilà pour le conseil santé. L'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre 2020, nous avons l'impératrice. Tra-tia-tia. Alors, l'impératrice, et surtout avec cette carte de détoxification, pardon, ça me fait penser peut-être. Alors, l'impératrice, c'est aussi la beauté, c'est aussi le luxe. Vous savez quoi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui, qui a du pouvoir, qui a du charisme, qui a beaucoup de charme, qui a une notion de luxure quand même, assez présente. Et c'est ce qu'elle veut, elle aime ce qui brille, elle est amoureuse aussi. Et moi, j'ai le sentiment que vous vous faites beau, ou vous allez vous faire belle, ou vous allez faire attention à vous durant ce mois de septembre. Pourquoi? Pour ça, je vous dis rien. On va voir ça après. Mais moi, je pense que vous allez un peu peut-être changer. Moi, je pense que vous allez aussi changer peut-être un peu votre look physique et vous sentir mieux dans votre peau pour pouvoir rencontrer finalement quelqu'un. Pas forcément l'âme sœur, mais quelqu'un pour quelque chose de sérieux. Voilà. D'où cette détoxification, où on se purifie l'esprit, la vie, tout ça, pour finalement accueillir au mieux notre futur partenaire. Et voilà un peu ce que me fait penser cette impératrice, où on est un peu dans cet esprit de séduction. Vous voyez un peu la séduction, le charmer les autres. Je pense que vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Ou du moins, si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, c'est réessayer de
d'intensifier encore votre flamme, votre amour, essayer de veiller à ce que votre couple ne s'éteigne pas, que ça ne s'effiloche pas. Essayez de... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Dans tous les cas, si ça ne fait pas écho avec ce que je vous dis, l'impératrice, c'est la concrétisation même. Quand on concrétise les choses, les projets que l'on entreprend, par l'action, c'est vraiment l'action même. C'est le chiffre 3, donc c'est l'action même. C'est ça. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Enfin, du moins tout ce qui me fait penser, ou du moins tout ce qui vient à l'esprit. Voilà. L'énergie fin de août 2020 est symbolisée par la reine de coupe, suivie de l'énergie début septembre 2020, le char. Waouh, 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 waouh. Alors, vous commencez fort. Vous commencez fort. La reine de coupe, qui est évidemment une énergie que vous allez endosser, celle de la bienveillance, celle de la compassion, l'énergie qui est vraiment une épaule sur laquelle on peut se confier, sur laquelle on peut pleurer, la personne où on peut confier tous les secrets, une personne de confiance, une personne qui a du vécu, d'un point de vue sentimental, on est dans les coupes, donc quelqu'un qui a quand même un passé sentimental quand même assez lourd, qui a du vécu, c'est une reine, voilà, et qui a finalement réussi avec ses relations passées à maîtriser ses émotions, à éviter de se laisser déborder, vous voyez ce que je veux dire. La reine de coupe, c'est clairement, on va dire, la bienveillance incarnée. La reine de coupe, c'est un peu la mère poule, comme j'aime bien le dire, c'est un peu la mère poule. Alors c'est veiller à son foyer, veiller à ce que sa famille ne manque de rien, veiller à ce que les autres ne manquent de rien, à ce que vos amis ne manquent de rien, que vos enfants, votre mari, votre conjoint, votre partenaire, vous, je ne sais quoi, ne, voilà. Voilà un peu comme si vous étiez un peu au secours de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous avez ce magnétisme avec cette impératrice qui fait que vous êtes rayonnant. Vous êtes vraiment très rayonnant durant ce mois de septembre et ça, j'en suis très fière. Pour vous, je suis très content. Début septembre, le char. Alors, quand je vois le char, quand je vois la roue, quand je vois l'impératrice, il y a peut-être des déplacements que vous allez... Peut-être qu'il y a des déplacements que vous allez être menés pour peut-être votre vie professionnelle ou pour tout simplement beaucoup de déplacements que vous allez mener pendant ce mois de septembre 2020, alors que ce soit des petits déplacements ou de gros déplacements, pour X raisons, peut-être peut-être d'un point de vue professionnel si vous travaillez dans l'humanitaire. Les Verseaux, vous êtes bien connus pour ça, vous êtes quand même le signe du zodiaque le plus humanitaire, donc vous allez peut-être être mené à vous déplacer peut-être aux quatre coins du monde ou aux quatre coins de la France, je ne sais pas quoi. Voilà, le chariot qui est une énergie de mouvement, mais qui est aussi une carte de victoire d'un point de vue professionnel. Vous avez les rênes de votre vie, vous avez les rênes de votre profession, vous allez tout droit. Vous ne regardez pas sur les côtés, non, 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 on s'en fiche, on va droit au but que vous vous êtes fixé. Ça, c'est quand même royal, c'est royal. C'est quand même excellent pour vous, je suis bluffée quand même par votre lecture qui est quand même bonne. Voilà pour vous. Ce que vous désirez le plus durant ce mois de septembre 2020, la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est une énergie de bonheur, mais d'un bonheur à un stade clairement idyllique. Le bonheur utopique, le bonheur que tout le monde rêve. La 10 de coupe peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une carte de... Oups là. Une carte de votre foyer, de votre maison. Votre foyer, enfin du moins votre maison, c'est du moins l'endroit où vous sentez évidemment... en sécurité, là où vous vous sentez bien, que vous n'ayez pas de crainte, où vous n'avez pas peur. Voilà ce qu'est la 10 de coupe, qui est une carte clairement de grand bonheur, de grand épanouissement, de grande joie.
Voilà mes très chères. Alors j'ai quand même envie d'en mettre une sur la 10 de coupe. Pour mes amis Verseau. 10 de coupe pour mes amis Verseau. Ouais, je comprends mieux là. Je comprends mieux avec cette 6 de bâton. Bon. Je vois, finalement, il y a un petit peu anguille sous roche, si j'ai envie de dire. Finalement, vous vous sentez, vous avez un sentiment d'abandon, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez peut-être pas à votre place d'un point de vue de votre famille, de votre foyer. La 4 de coupe, déception. Une déception qui fait que vous avez peut-être tendance un peu à vous isoler. Abandon, isolement. Et vous savez quoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que forcément, vous êtes dans une énergie de la reine de coupe, où vous donnez aux autres, mais finalement, c'est pas comme si vous attendez que les autres vous redonnent quelque chose en retour, mais c'est, vous voulez de la reconnaissance finalement. Vous voulez que vous soyez reconnu à votre juste valeur, que vous soyez reconnu comme étant quelqu'un d'important pour les autres, comme étant un pilier fondateur, comme étant quelqu'un... Vous voyez ce que je veux dire? Comme étant quelqu'un d'important finalement au sein de votre famille, sur quelqu'un sur qui on peut toujours compter, on peut toujours se confier, ce genre de choses-là. Et là, visiblement, vous avez un peu ce sentiment, vous n'avez pas cette... vous n'êtes pas comblé finalement, vous n'avez pas ce sentiment d'être... peut-être d'être aimé, ou du moins vous avez ce sentiment d'être un peu écarté. Ça fera écho évidemment aux personnes... auquel bah, ça fait plutôt écho. D'où finalement vous avez ce sentiment d'être heureux, d'être épanoui, à condition que les autres vous reconnaissent à votre juste valeur, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos amis, votre couple ou évidemment votre relationnel. Voilà pour vous. Finalement, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, ce bonheur idyllique, eh ben vous savez quoi? Eh bien, un gros coup de roue de fortune. Un bon gros roue de fortune. Un bon gros coup de destin qui va venir vous sauver la mise. La roue de fortune, qui est évidemment la roue de la fortune qui tourne en votre faveur. Une action, comme ça, subite. Hop, une opportunité qui va... Alors, peut-être une opportunité suite à un déplacement, peut-être, qui va faire que vous allez peut-être avoir des éloges, vous allez être enfin reconnu comme la personne que vous devez être, comme étant la personne qui aide tout le monde, comme étant la personne la plus humanitaire de la famille ou je ne sais pas quoi. C'est beau. Je vais en mettre une pour vous sur la roue de fortune. Alors, ce qui va avec la roue de fortune, pour mes amis Verseau. Avec la roue de fortune... Vous avez avec la roue de fortune, c'est le fou. Pour moi, le faux et la roue de fortune me fait penser que vous y mettez une énergie mais inconsidérable pour aider les autres. Évidemment, bon, c'est votre signe, mais vous y mettez tellement, plaisir, que finalement ça vous épuise physiquement. Physiquement, clairement, ça vous épuise et peut-être que ça a des répercussions physiques ou mentales de cela. Du moins, finalement, c'est un peu... Vous dépensez finalement sans compter pour toutes les personnes que vous aimez, pour toutes les personnes que vous aimez de votre cœur, de votre famille. Sachant que la 10 de coupe, c'est la maison, c'est le foyer. Bon, ça peut être ça. Mais ne vous inquiétez pas, là, il y a un bon gros coup de roue en septembre qui va venir vous aider. On ne va pas vous laisser comme ça, ne vous inquiétez pas. Dans la position du défi, nous avons la 6 de bâton. Bon, la 6 de bâton qui peut... Plusieurs façons de le voir.
Peut-être que vous avez été déchu d'un poste, de votre travail. Peut-être que votre poste a été mis en suspension. Peut-être que vous cherchez un travail, c'est peut-être ça. Mais là, moi, la 6 de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est le manque de reconnaissance publique, de ne pas être reconnu à votre valeur, à vous. Vous n'êtes pas reconnu comme vous pensez être reconnu. La 6 de bâton peut aussi peut-être nous faire penser que vous avez peut-être tendance à avoir peut-être une vision négative de tout cela. Alors ça peut être votre travail, hein, parce que là je vois une 6 de bâton. Alors j'ai aussi le sentiment peut-être aussi que vous êtes peut-être aussi découragé ou du moins pessimiste d'une certaine vision. Voilà, bon. Mais moi je pense que là c'est plutôt la reconnaissance que... voilà. Mais ce que je vois, quand je vois le fou, quand je vois la roue, quand je vois cette 7 de bâton, quand je vois la mort, la 5 de denier, l'as de denier, ça me fait penser que vous avez peut-être des problèmes financiers. La 5 de denier peut-être, me fait peut-être penser que vous n'aviez peut-être pas de toit sur lequel vous abritez. Peut-être que vous êtes au chômage. Il est peut-être question de cela, mais peut-être une crise financière, vous avez peut-être des problèmes d'argent, peut-être que vous avez dépensé trop, sans compter, ça peut être ça. Mais voilà, si ça fait écho à vous, que vous avez des problèmes d'argent ou de gestion, ou que vous êtes au chômage ou quoi que ce soit, sachez que septembre sera un très bon mois pour vous pour reprendre du poil de la bête. On a quand même l'impératrice et on a l'as de denier ici. Ça, pour moi, ça n'en fait aucun doute. On a la roue de fortune, on a le char. Donc, si vous avez des problèmes de... Encore une fois, si vous cherchez à déménager, ça se fera aussi. Si vous voulez changer de poste, c'est le bon moment aussi. Si vous voulez trouver un travail, c'est le bon moment aussi. Voilà pour toutes ces personnes-là. Voilà, j'avais tout ça à vous dire. Je vais en mettre une sur la 6 de bâton. 6 de bâton, avec la 6 de bâton, avec la 6 de bâton. Alors, ce qui va avec la 6 de bâton, avec la 6 de bâton, avec la 6 de bâton. Et oui, effectivement, on a la papesse. Avec la 6 de bâton, on a la papesse. La papesse, l'attente, le retard. Finalement, attendre avec impatience, peut-être, d'être reconnu, peut-être par quelqu'un de votre famille. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Peu importe, vous l'associez à ce que ça vous fait écho. Mais le retard. Quelque chose que vous attendez avec impatience. Votre vie sentimentale, elle est symbolisée par l'as de denier, un nouveau départ, soit un renouveau dans votre vie sentimentale, pleine de richesses, pleine de valeurs qui vous sont propres, ou soit ça peut être le démarrage d'une vie sentimentale. On a quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour aussi. C'est l'amour, l'impératrice. Avec l'as de denier, c'est une ouverture. On s'ouvre aux autres. On s'ouvre à autrui. On s'ouvre à notre partenaire. On ouvre son cœur. On ouvre à ce qu'on peut offrir à l'autre. C'est ça, l'as de denier. Donc, c'est une très bonne carte d'un point de vue sentimental. Donc, d'un point de vue sentimental, soit il y a du nouveau, soit il y a du renouveau. Ou soit il y a la naissance de quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais en mettre une pour vous, à se tenir. Vous voyez, en plus, c'est un roi de bâton. Alors, ça peut être un départ avec un roi de bâton qui serait d'un signe feu, lion, sagittaire, bélier. Ça peut être ça. Un nouveau départ qui vous est donné.
Donc franchement, ne le refusez pas. Alors par contre, peut-être qu'au premier abord, ça peut être d'un point de vue sexuel. Mais ça peut évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour vous. Votre vie sentimentale, vos finances, votre vie professionnelle, comme je vous l'ai dit auparavant, la 7 de bâton. 7 de bâton, une carte défensive, on garde pied, on garde finalement position sur une idée qu'on a, on se tient prêt à se jeter dans la gueule du loup, ou du moins on se prêt à se jeter à corps perdu dans un combat, c'est ça. Se défendre contre des personnes qui pourraient vous nuire, qui pourraient vous faire échouer. La 7 de bâton, oui, c'est une carte qui est vraiment très défensive. On se défend. On se défend de quelque chose, on se défend d'une situation, on peut se défendre de quelqu'un. Mais là, je pense qu'on se défend parce que vous économisez au mieux. Vous économisez votre énergie ou du moins vous économisez votre temps, peut-être pour trouver quelque chose. Parce que là, on peut voir que financièrement parlant, c'est pas tellement top. Alors attention, ça peut rouler comme sur des roulettes pour certains d'entre vous. Mais la 7 de bâton qui peut vous pousser finalement à vous défendre contre quelque chose ou contre quelqu'un. On n'est pas à l'abri de quelque chose. Alors évidemment, quand je dis ça donne envie de découvrir la suite. Alors avec le 7 de bâton, papa, papa, papa. Alors pour les chômeurs, pour les personnes qui sont au chômage, la justice. La justice. On se défend pour. Alors, plusieurs façons de le voir. Soit on se défend pour un contrat de travail, pour les personnes qui sont au chômage, et vous l'obtiendrez parce qu'on a l'as de denier qui est à côté, et on a la transformation. Pas d'inquiétude. Ou pour d'autres, vous vous défendez pour garder un équilibre d'un point de vue de vos finances, d'essayer de garder, à veiller à avoir un bon équilibre de vos finances. Que je me suis déjà répété, c'est pas grave. Voilà, si je l'ai répété deux fois, c'est que ça que c'était nécessaire. Votre vie sentiment, enfin, non, pardon, votre vie intérieure, votre sagesse, votre vie spirituelle, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, la transformation. Encore une fois, on a encore cette notion de nouveau départ. La transformation, quelque chose qui est en train de mourir et on est en train de renaître avec une leçon apprise. Attention, avec une leçon apprise. La mort, on ne ressuscite pas sans avoir appris quelque chose. C'est pour ça que c'est une excellente carte que j'aime beaucoup. Et pour moi, ça peut aussi faire penser que vous arrêtez peut-être de vous défendre pour vous ouvrir à cette nouvelle opportunité financière ou à cette nouvelle équilibre, à ce nouveau travail qui vient vers vous là. À cette nouvelle proposition qui vient vers vous. L'énergie maintenant, fin de septembre 2020, elle a 5 de deniers. La 5 de deniers qui est une énergie où on ne se sent pas en sécurité d'un point de vue matériel, d'un point de vue de ses finances, d'un point de vue peut-être de son travail. On ne se sent pas en sécurité, on se sent vulnérable, on se sent anxieux, on est inquiet peut-être de l'avenir que cela peut avoir. La 5 de denier me fait penser que, je ne sais pas pourquoi, donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est valable, mais la 5 de denier me dit qu'aussi, il est temps que vous délaissez derrière vous des choses, que ce soit de votre passé ou de votre présent actuel, que vous vous détachiez des choses pas forcément très bonnes et comme je vous l'ai dit, des choses auxquelles il faut que vous laissiez mourir. Il faut que vous laissiez mourir les choses qui vous rendent mal, qui vous rendent insécure. Qui vous rend insécurisé, pardon, qui vous rend anxieux, qui vous rend. Voilà, faut lâcher ces choses-là. Et encore une fois, ça revient sur cette carte de la détoxification. Délaisser les choses, purifier son esprit, purifier son corps et purifier sa
Vie. Allez, parce que je suis beaucoup trop gentille, je vous en mets une dernière sur la 5 de denier. 5 de denier, ce qu'il a avec la 5 de denier. De coupe. Dix d'épée. Bon. On a quand même deux cartes qui sont pas sympathiques. Deux cartes qui nous parlent finalement un peu de blessures, qui nous parlent de déception, qui nous parlent finalement de discorde, qui nous parlent de malentendus, qui nous parlent de déception. Et là, finalement, ici, on vous demande finalement de faire mourir toutes ces choses-là, de laisser mourir tout cela, de vous détoxifier de toutes ces énergies négatives, de les laisser partir d'un bon coup de balai et de passer à autre chose. Comment est-ce que vous pourrez faire ça? Mes guides me disent peut-être par le biais de la méditation, ça pourrait vous aider à faire comprendre que les énergies négatives n'ont pas de place dans votre esprit et de les faire dégarpir. Voilà, par le biais de la méditation, peut-être du yoga, peut-être par le biais des prières aussi, prier si vous êtes croyant, évidemment, si vous n'êtes pas croyant, voilà, ça peut être, voilà, prier. Voilà, ça peut être prier, ça peut être tout ce que vous voulez, méditer, faire en sorte, purifier votre appartement, vous purifier. Voilà mes très chers. Voilà mes très chers Verseaux, j'espère que dans tout cas, cette lecture vous a fait écho. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. D'activer un petit pouce si cette vidéo vous a plu. On se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.